Le buffle d'eau, également connu sous le nom de buffle asiatique, est une espèce de mammifère herbivore appartenant à la famille des bovidés. Voici une description du buffle d'eau. Apparence, les buffles d'eau sont de grande taille et ont un corps massif. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Ils ont une tête large et puissante, avec de longues cornes incurvées vers l'arrière. Leur peau est épaisse et recouverte de poils courts et grossiers. Les buffles d'eau ont une couleur de peau variable, allant du gris foncé au noir. Taille et poids, les buffles d'eau peuvent mesurer entre 1,5 et 1,9 mètres de hauteur au garrot, et leur longueur corporelle peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Les mâles adultes pèsent généralement entre 600 et 1200 kg, tandis que les femelles sont légèrement plus petites et plus légères. Habitat, les buffles d'eau sont originaires des régions d'Asie du Sud et du Sud-Est, mais ils ont été introduits dans d'autres parties du monde, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie. Ils préfèrent les zones humides, telles que les marais, les rizières, les plaines inondables et les cours d'eau, où ils peuvent se baigner et se nourrir de végétation aquatique. Adaptation à l'eau, les buffles d'eau sont bien adaptés à la vie aquatique. Leurs sabots larges et palmés leur permettent de se déplacer facilement dans les zones marécageuses et les cours d'eau. Leur épaisse peau est dotée de glandes sudoripares qui les aident à réguler leur température corporelle lorsqu'ils se baignent. Alimentation, les buffles d'eau sont des herbivores et se nourrissent principalement d'herbes, de plantes aquatiques et de feuilles. Leur régime alimentaire peut varier en fonction de la disponibilité des ressources dans leur habitat. Ils sont capables de manger des plantes qui poussent dans des zones inondées et peuvent même plonger pour se nourrir de plantes aquatiques submergées. Reproduction, les buffles d'eau atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. Les mâles s'engagent souvent dans des combats pour établir leur dominance et accéder aux femelles lors de la saison des amours. Après une période de gestation d'environ 9 mois, une seule portée est généralement mise bas, donnant naissance à un seul petit, appelé veau de buffle. Rôle culturel, les buffles d'eau jouent un rôle important dans de nombreuses cultures asiatiques. Ils sont souvent vénérés et considérés comme des symboles de fertilité, de force et de prospérité. Dans certains pays, comme l'Inde, les buffles d'eau sont utilisés lors de festivals religieux et de cérémonies traditionnelles. Rôle
rôle économique, les buffles d'eau sont d'une grande importance économique dans de nombreuses régions du monde. Ils sont utilisés comme animaux de trait pour l'agriculture, le transport et l'irrigation des champs. Leur lait est également utilisé pour produire du fromage et d'autres produits laitiers. Dans certaines régions, ils sont élevés pour leur viande et leur peau. Migration et déplacement, les buffles d'eau sont capables de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture et d'eau. Pendant les périodes de sécheresse, ils peuvent entreprendre des migrations saisonnières en suivant les cours d'eau et en cherchant des zones plus propices à leur survie. Relation avec d'autres espèces. Les buffles d'eau partagent souvent leur habitat avec d'autres espèces animales. Ils peuvent coexister avec des oiseaux aquatiques, tels que les ibis et les hérons, qui se nourrissent des parasites présents sur leur peau. Les buffles d'eau peuvent également attirer des prédateurs tels que les crocodiles et les tigres, qui les chassent occasionnellement. Comportement, les buffles d'eau sont généralement grégaires et vivent en petits groupes sociaux composés d'une dizaine d'individus, bien que des troupeaux plus importants puissent se former lors des migrations saisonnières. Ils sont connus pour leur nature tranquille et leur forte tolérance à la chaleur et à l'humidité. Les buffles d'eau sont souvent vus se baigner dans l'eau pour se rafraîchir et se débarrasser des parasites. Conservation. Bien que les buffles d'eau ne soient pas considérés comme une espèce en danger d'extinction, certaines populations sauvages sont menacées par la perte d'habitat, la chasse et la concurrence avec d'autres espèces introduites. Des efforts de conservation sont déployés pour protéger leurs habitats et maintenir des populations stables. Relation avec d'autres espèces. Les buffles d'eau partagent souvent leur habitat avec d'autres espèces animales. Ils peuvent coexister avec des oiseaux aquatiques, tels que les ibis et les hérons, qui se nourrissent des parasites présents sur leur peau. Les buffles d'eau peuvent également attirer des prédateurs tels que les crocodiles et les tigres, qui les chassent occasionnellement. Domestication. Les buffles d'eau sont l'une des premières espèces animales à avoir été domestiquées par l'homme. Leur domestication remonte à plusieurs milliers d'années et ils sont utilisés dans l'agriculture depuis lors. Les buffles d'eau domestiques sont souvent utilisés pour labourer les champs, transporter des charges lourdes et aider à la culture du riz dans les régions rizicoles. Les buffles d'eau sont des animaux fascinants, adaptés à la vie dans les zones humides. Leur importance économique et culturelle en fait des animaux vénérés et respectés dans de nombreuses régions du monde.